La croissance dans l'importation continue de voitures d'occasion a une espérance d'un peu plus d'une dizaine d'années, selon les tenanciers qui alimentent ce trafic. Les parcs d'exposition sont souvent détenus par les Congolais, des Libanais et les Ouest-Africains. Les véhicules les mieux vendus à des prix abordables comme Toyota Corolla dit Benoît XVI, cuisses de poulet, minibus IAS et autres. Les véhicules de luxe par contre sont de moins en moins importés à cause des prix d'achat, le coût de transport et des taxes douanières. Les prix de vente sont variables selon l'achat de ces véhicules qui pour la plupart sont importés de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, des États-Unis d'Amérique, de Dubaï aux Émirats Arabes Unis par des particuliers ou des revendeurs. Une fois dédouanés, les véhicules sont soit exposés dans les parkings de vente à Pointe-Noire, soit prennent la direction des autres villes du pays, notamment à Brazzaville, où ils sont également exposés. D'où le business de véhicules d'occasion reste très florissant dans la capitale économique de notre pays.